Mesdames, messieurs, mademoiselle, jeune homme, bonjour, bonsoir. Petit bonjour ici, bonjour, tac, 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 hop, 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 hop. Salut, bonjour. Ça va bien? Et bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Nous allons immédiatement enchaîner cette émission et recevoir, il y aura un ni oui ni non en fin d'émission. Nous allons recevoir... Il y aura donc un ni oui ni non d'ici la fin de cette émission. Nous allons recevoir celui qui va être pendant une heure avec nous. Il s'appelle François Hadji Lazaro. Accueil, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, pour François Hadji Lazaro, accueil chaleureux, s'il vous plaît. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Comment ça va? Bien. N'oubliez pas le micro. Faudrait avoir un ascenseur un peu plus grand, mais à part ça, tout va bien. C'était un peu juste. Ouais. On va essayer d'y remédier pour la prochaine fois, c'est promis. Merci. Enfin, vous n'êtes pas abîmé. Non, c'est au niveau de la bouée que ça coince. Ouais. S'il vous plaît, nous allons nous mettre en place. Nous allons donc avoir, n'est-ce pas Patrice, vous allez me le confirmer d'ici quelques minutes, un ni oui ni non en fin d'émission. Un ni oui ni non en fin d'émission. Pour l'instant, nous allons rejoindre François, Franck et Patrice. Allons-y. Comment ça va Patrice? Ça va bien. Vous avez une petite fourrette Franck sur le bord de François pour mettre votre micro. Rapprochez-vous un peu de moi. Patrice, bien, pleine forme? Pleine forme. Bien. Franck? Pleine forme. Très bien. François, François. Rapprochez-vous un petit peu de moi François, vous serez plus près du micro. Petite revue de presse pour commencer cette émission. François, c'est pas mis en jaune lui. Non, François, c'est pas mis en jaune. Non, oui, nous, ah bah oui, tiens, on a bien fait de se... Oui. La prochaine fois, on se consulte. Alors, vous vous souvenez des nouvelles surprenantes? C'est en dégradé en plus. Oui. Vas-y. Oui. Vous vous souvenez des nouvelles surprenantes? Non. C'est un journal, vous voulez dire? Surprenante, bien sûr. On en avait beaucoup parlé ici, on s'en moquait un petit peu. Hein. Pourquoi on s'en moquait? Parce qu'on doutait un petit peu de la véracité des informations qui étaient dans ce journal, parce qu'il est écrit en tout petit, à l'époque, que le contenu des articles n'avait aucun rapport avec les photos. Bon. Et là, j'ai l'impression que le rédacteur en chef, dans son édito, nous montre un petit peu du doigt. Ah bon? Parce que d'une part, il a enlevé la petite légende dont je viens de vous parler, et en plus, il nous dit... À ceux qui se demandent si tout ce qui est vrai dans ce journal est bel et bien vrai, je voudrais dire ceci. Si ce n'était pas vrai, est-ce que j'en prendrais la peine d'en parler dans ce journal? J'ai d'autres chats à fouetter. Ouais. D'accord? Ouais. En plus, dit-il, il y a des photos. Et les photos, c'est bien la preuve que ce qu'on dit est vrai. Alors, je tourne la page et qu'est-ce que je vois? Une nouvelle surprenante. Les pompiers délivrent une serveuse coincée dans un jean trop serré. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de photo, il y a un dessin. Regardez. Non, on le voit. Voilà. Alors bon, c'est une fille, elle avait le jean trop serré, puis elle dit, moi j'aime bien qu'un jean soit serré, mais la prochaine fois, je ferai attention parce que c'est je sais... Les pompiers sont intervenus pour la sortir du jean? Pour la sortir du jean. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, sinon, il y a plein d'autres trucs. Alors, il y a une épouse désespérée qui a mis le feu à la jambe de bois de son mari. Bon. Mais hein? Comme ça, non, parce qu'il courait après les filles. Voilà, il courait après les filles, dit le journal. Donc, elle a mis le feu à la jambe de bois. Et puis, il y a un type... C'est l'horreur, quoi. Il y a un type qui détient le record du monde des poils sous les aisselles. 32,5 cm. Sa femme dit que c'est très viril. Et puis... Il n'a pas besoin de se réchauffer avec sa jambe de bois. Hein. Non, c'est... Ouais. C'est sûr. Et puis alors, il y a le courrier. Mais non, c'est pas le même, surtout, la jambe de bois. Parce que si elle met le feu à la jambe de bois, flouf, ça prend feu sous les aisselles. Et alors, il y a un courrier... Le courrier des lecteurs. Cher Olga, mes parents m'ont payé des leçons d'auto-école, j'ai réussi mon permis, j'ai ma voiture. J'ai pas de voiture. J'ai mon permis, mais j'ai pas de voiture. Et j'ai l'impression, dit le jeune garçon, que si j'avais une voiture, ben, je pourrais emballer des filles. Bon. Et on lui répond, je trouve que t'es pas normal, hein, du tout. Et en plus, j'ai regardé ta photo et je dois te dire que t'es une voiture ou non, tu emballeras jamais de filles. Ouais. C'est sympathique. Sympathique. Oui. Sinon, alors, j'ai une dépêche... J'ai une dépêche AFP qui nous apprend que près de Grenoble, dans une cité universitaire, un homme a été arrêté après avoir violé une jeune fille. Bon. Pas drôle. Non. Car sa victime a pu appeler la police. Et pourquoi la victime a pu appeler la police? Parce que le type, il s'est endormi. Il l'a violé, il s'est endormi. AFP, c'est sérieux, là. Hein, pas prudent. Ouais. Dans People, alors People, c'est un journal anglais, on apprend qu'à Redford, un maçon a passé une nuit de noces un peu particulière. Bon, il s'est marié, il y a eu la fête, sa femme, elle a beaucoup bu... Elle était complètement pétée, après ils sont rentrés à la maison. Non, elle était saoule. Elle était joyeuse. Ils se sont disputés devant les invités, après ils sont rentrés à la maison. Bon. Donc, ambiance un peu froide. Et la femme a dit à son mari, bon, t'es bien gentil, mais toi, tu dors dehors. Dehors. Ouais. Tu dors à l'extérieur. Bon. Et le type, il faisait très froid, donc il est allé dormir dans la niche du chien. Oui, ils étaient tous les deux assez saouls, probablement. Oui. Non, bon. Alors, elle dort, lui est dans la niche du chien, et le matin, il se dit, bon, quand même, je vais aller voir comment ça se passe. Il rentre dans la maison, sa femme, elle dort, et il se rend compte qu'il y a le chien à sa place dans les bras de sa femme.
Donc il a entamé une procédure de divorce. Et quand on a demandé à la femme pourquoi elle avait fait ça, parce que c'est vrai que c'est pas très 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 gentil, elle a dit je m'en fous, ce mariage n'était qu'un pari que j'avais fait avec des copines. Sympa. Elle fait des niches en fait. Quoi. Oui, elle lui fait des niches. Elle lui fait des niches. Elle arrête pas même. Et sinon, bah, alors il y a Bravo Girl. Et dans Bravo Girl, on apprend tout sur le baiser. On aime bien Bravo Girl. On aime bien Bravo Girl. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le baiser, ça ne s'improvise pas parce qu'il y a une vraie technique. Ah, ça se travaille. Ça se travaille. Bah, regardez un garçon comme Patrice à 25 ans d'expérience minimum. Oui, minimum. À peu près. Et le journal dit. Oui, à peu près. Le journal dit, est-ce qu'il y a une méthode pour apprendre à bien embrasser? Réponse, oui. Ah, oui. Certes, il faut beaucoup de feeling pour embrasser, mais aussi une certaine technique. Et si tu n'es pas sûr de toi, eh bien, exerce-toi sur toi-même. En posant tes lèvres entrouvertes sur ton avant-bras. Ah oui, parce que... Ah oui. Donc, entraînement. Entraînement, training. Sur la... Comment? Sur la main. Et cela dit, non, non. Non, mais j'ai vu votre langue sortie ou quoi, là? Ah bah oui. Oui, alors, il y a autre non, chose. Non, mais attends, excusez-moi. Mais j'en ai parlé ce matin au bureau. Et il y a des jeunes femmes qui travaillent avec nous qui m'ont dit qu'elles, elles avaient essayé quand elles avaient 14-15 ans sur leurs mains. Un baiser... Eh oui, pour apprendre, pour savoir comment faire. Ah ouais, non, donc, c'est pas, donc ce que dit Bravo Girl n'est pas faux. Ouais. Alors après, on a pas autant essayer avec un garçon, je veux dire... Oui, mais avant. Mais non, avant, avec un garçon aussi. Oui, si on veut, oui. Alors après, on aborde une question essentielle. Comment fonctionne le baiser avec la langue? Réponse, comment ça fonctionne le baiser avec la langue? C'est simple. Ouvre les lèvres en forme de O. Avance un peu ta langue vers l'avant. Et cherche la bouche de ton partenaire. Faut déjà ne pas être un alphabète, déjà. Faut déjà savoir ce que c'est quoi, O. Tu verras, le premier contact fait souvent l'effet d'une petite décharge électrique. Ensuite, on dit, maintenant, donc on a la bouche le premier le tout premier contact, pour être franc, quelquefois, c'est un peu bizarre, non? Là, un quand peu. On a... Ouais, moi, j'ai des souvenirs un peu... Oui, mais vous aviez 19 ans, vous avez fait ça tard. Non, c'était hier matin. Alors, maintenant que tu as la langue à l'extérieur, joue avec la pointe de ta langue en faisant des ronds. Et ensuite, modifie ton rythme. Oui, il faut surprendre l'adversaire. Alors, alors moi, je suis allé dans la rue et j'ai demandé aux gens s'ils connaissaient cette technique, en tout cas s'ils l'appliquaient. On peut s'abonner à ce truc-là? Oui, allez, je vous donne. Allez-y, on va regarder ça tout de suite, donc. Ouvrez les lèvres en forme de O. Forme de O, comme ça? O. 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 Non, ça, je fais pas ça, moi. Pourquoi? Parce que je fais en I, moi. Ensuite, ils disent, avancez un peu la langue vers l'avant. Un peu plus. Elle peut un peu plus. Voilà. À l'extérieur, hein, je crois. Un peu plus. Allez-y. Voilà. Maintenant, jouez avec la pointe de votre langue en faisant des ronds. Plus vite. Moins vite. Bah, c'est un peu dégoûtant. Beaucoup plus vite. Vous embrassez comme ça? Bah oui. Enfin, pour le moment, oui. Mais enfin, je sais pas. Faudrait que j'étaye avec vous. Comment vous faites? Je mets pas la langue. Vous embrassez comme ça? Mais toujours. C'est pas vrai. Oui, montrez-moi. Oui. Ah bah, voilà. Voyons, ça c'est un reportage chaleureux. Oui. Il a dû faire ça pour ça, à mon avis. En fait, c'est pas d'une énorme sensualité, hein, voir les grosses langues qui se baladent. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité quotidienne. Et... Alors, juste avant de finir, bon, c'est pas dans la presse que je l'ai lu, c'est un sirop que j'ai piqué à Patrice, qui toussait un petit peu récemment. C'est un sirop pour la toux. Alors on se dit, bon, ça soigne la toux. Mais il faut faire attention parce que je vous lis la liste des effets indésirables provoqués par ce sirop. Constipation, somnolence, vertige, nausée, vomissement, spasme bronchique, réaction cutanée allergique, dépression respiratoire, augmentation de la viscosité des sécrétions bronchiques, sécheresse de la bouche, trouble de l'accommodation, tachycardie et confusion mentale. Mais on ne tousse plus. Mais on ne tousse plus. On a ça. Mais je ne tousse plus. Oui, ça se voit. Merci beaucoup, Franck Schlesinger. Applaudissements, s'il vous plaît. Il va nous quitter. Nous allons nous retrouver avec François, Patrice et tout le team après cette séance de plus psy. A tout de suite. Messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec François qui est avec nous, Patrice. Et Patrice, Paulette. La témoigne du jour, c'est Paulette. Paulette qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir sur ce plateau il y a plusieurs mois. Il y a un an. Alors Paulette est propriétaire d'un endroit qui s'appelle Chez Paulette. Chez Paulette, à Pagny derrière Barine. C'est ça. À côté de Nancy. Pagny derrière Barine. Vous êtes toujours à Pagny derrière Barine. Qu'est-ce que ça sent ici? Non, c'est rien, d'ailleurs, c'est rien. À mon avis, il y a une cigarette qui traîne. Non, il y a de la fumée pour tout à l'heure, mais à mon avis, ils ont exagéré. Paulette, c'est une rockeuse, non seulement une rockeuse, mais elle adore les groupes de rock et dans son pub, elle fait venir comme ça des groupes de rock qui font une animation terrible. Oui. Vous faites toujours ça? Toujours. Et déjà, oui. Tous les groupes de votre région viennent. Oui. Viennent,
tourner chez vous, s'entraîner, jouer chez vous, etc. Oui. Ouais. Vous avez joué, François, chez Paulette ? Non, non, mais chez Paulette, c'est hyper rock'n'roll, rock'n'roll. C'est, ouais. Par contre, j'étais boire un coup. On avait joué avec les Garçons Bouchers à Nancy, j'étais boire un coup après. Alors, on m'a dit que vous continuez à travailler avec les Garçons Bouchers, que vous alterniez entre Pigalle et Garçons Bouchers. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vrai. Alors, Paulette, je crois qu'on a un groupe de... Oui, mais on va peut-être parler trois secondes de l'amour du rock, non, Paulette. Ah oui, Christophe. Ah, évidemment, Paulette. Alors, votre amour du rock, d'où vient-il? Comment ça se passe-t-il? Ça fait 25 ans que ça dure, alors... Est-ce que vos goûts ont changé ou est-ce que vous êtes toujours resté avec le rock d'il y a 25 ans? Quand François dit chez vous, c'est rock. Ah non, on a évolué suivant la musique, nous avons évolué. Non. Et vos goûts personnels ont évolué également? Ah oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, François, c'est rock chez Paulette? Bah, c'est que des groupes de rock. Souvent, c'est des groupes qui chantent en anglais, qui font du rock and roll, qui évoluent effectivement selon ces parties du rockabilly jusqu'au maintenant. Entre autres, les Roadrunners sont passés. Les Roadrunners qu'on a passé il y a 15 jours. Il y a eu les Roy Rogers aussi, les Roadrunners et Captain Sensible que vous avez reçu il y a peu de temps. Voilà, il n'y a pas longtemps. Oui. Ouais. Alors ça se passe comment chez vous? On vient boire quelque chose et on assiste en même temps à des spectacles, c'est ça? Ah oui, c'est surtout un bar à bière. Hein. Un pub où on consomme de la bière et les concerts se passent à côté, dans la salle de débit. Et la salle de concert à côté. C'est relativement fréquent. Dancing, je crois que c'est un ancien dancing, oui. Ah, dont mes parents faisaient de la variété. Quoi. Ah oui, donc déjà, c'était... Ah oui, ça s'appelait... Alors, chez Paulette, ça existe depuis combien de temps? Ça s'appelait comment avec... Ça s'appelait chez Marie. C'était ma mère qui s'appelait Marie. Et on a continué. Et ça fait 70 ans, puisque je suis née dans cette maison-là. Vous avez des enfants? Oui. J'ai un fils, Claudine. Donc ça s'appellera peut-être chez Claudine plus tard. Peut-être que ça s'appellera chez Claudine. Elle est branchée comme vous. Ah oui, c'est elle qui reprend maintenant. Oui, ah oui, tout oui doucement. Donc c'est vraiment je me retire tout doucement. Très bien. Les voisins se plaignent pas? Oh, pas du tout. C'est tous mes amis, tout peignent mes amis. Mes amis, voyons. Mais je crois qu'il faut dire aussi, parce qu'on peut pas dire que des choses drôles. Hein. Non. Qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça qui meurent en France. Où on peut jouer et que c'est hyper important que des endroits comme ça qui durent depuis des années continuent. Merci. Et que d'autres secrets, il y en a plein qui disparaissent. Non, mais on est d'accord, ça fait aussi partie des. Ça fait partie du pourquoi on donne à Paulette la confiance de les exprimer. Un petit bisou. N'oubliez pas les conseils de Barboguer. Il y en a plein qui disparaissent, donc c'est bien qu'il y en ait qui arrivent à rester, à continuer à faire des spectacles vivants. Quoi. Et dans le monde du rock, c'est connu chez Paulette? Ah oui, c'est une institution. Voilà. Tu sais, ça va devenir un endroit mythique peut-être à travers le monde. Oui, puisque à New York, on nous connaît. Il y a plein de groupes anglais qui viennent jouer. Hein, on nous connaît partout maintenant. Parce que toutes les tournées européennes, elles passent par chez Paulette. Alors, Patrice. Il y a un compact disque. Hein, oui, voilà. Avec pas mal de groupes. Christophe, si tu te rappelles, j'avais amené un vinyle des jeunes, 10 groupes. Hein, et cette année, ils ont fait un CD. Un CD. Avec, qui s'appelle alors qui s'appelle La Revanche du Silurglane. Silurglane. Voilà. Ça veut dire le Silur étant un poisson. Le poisson. La Revanche du poisson. Eh ben c'est bien. Voilà. Silurglane, c'est un poisson. Oui, un glane, je ne sais pas. Silur, je ne sais pas. Là, ils ont présenté la cathédrale de Toul dans le poisson. Ils ont fait une belle chose. Là. Voilà, donc ça veut bien dire que quelqu'un comme Paulette peut donner aujourd'hui l'opportunité à des jeunes de s'exprimer et de progresser d'avancer. Voilà, ces 10 groupes-là viennent à la maison pour répéter. Paulette, s'il y a des groupes que je fais répéter. Ah là, il y a 10 groupes sur cet album. Oui, il y a 10 groupes. Oui, très bien. S'il y a des groupes de rock comme ça qui se forment, qui ont envie de venir chez vous, ils peuvent vous contacter, vous les prenez. Ils nous envoient des cassettes, ils nous envoient leur pressbook, et puis ça y est. Vous sélectionnez. Si c'est à notre convenance, si c'est notre créneau, ben pourquoi pas. Alors derrière nous, il y a un groupe qui est installé. Oui. Vous pouvez nous le présenter, Paulette? Ah oui, je vais vous le présenter. Voilà. Alors donc, je vous présente les Ragmen. Les Ragmen. Alors ici, Hervé. Guitariste. Mon gendre, Denis, bassiste. Ah, la famille, c'est la famille. C'est la famille qui vient à la télé. Voilà. C'est le mari de Claudine, Paulette? Oui, c'est ça. Ah, c'est le mari de Claudine. Claudine Zess Band. Voilà. Richard, mon petit-fils chanteur. Oh là là. Oh, monsieur la famille. Il est musclé, hein? Oui, il est balèze. Alors, le batteur. Le batteur, Philippe. Philippe, le batteur. Philippe, le guitariste. Philippe. Le guitariste à droite. François, voilà. François, le guitariste. On a présenté tout le monde, les gars. Oui, tout le monde est présenté. J'aurais dû s'appeler les Paulettes. Les Paulettes plutôt que les Ragmen, ils sont de la famille. Bah oui, les Paulettes, bah oui, mais. Les Paulettes, ça aurait été bien. Oui, ça aurait été bien. Mais sur les Ragmen, dis-le les Paulettes. Voilà. Tout de suite maintenant, en direct. Ça, c'est mon écurie, hein. C'est votre écurie. C'est mon écurie, ça. Très bien, team manager, on va regarder ça tout de suite. On écoute immédiatement les Ragmen, mesdames, messieurs. C'est parti.
someone to love me. This place should be right. Cause I need someone to tell my troubles to. I need your loving baby, I love you. Come on, honey, I want you to be my girl. Vraiment pleine forme, François Paulette. Attention. Tiens. Asseyez-vous. Voilà, vraiment, là, elle nous a prouvé vraiment. T'as vu ce que c'est que le rock, hein. À 70, ah oui, bah, à 70 ans, hein, ouais. Faut le faire. Hein. Formidable. Est-ce que non, ben non, rien, non, c'est bien. C'est bien. Ça parle tout seul. Voilà. Ah, c'est rafraîchissant. Merci, je t'en remercie. Merci beaucoup, Paulette. Merci Bravo beaucoup. Pour votre enthousiasme, en tout cas, et votre vivacité. Applaudissements du public, bien évidemment. Merci. Nous allons maintenant parler de l'actualité de François Hadji Lazaro. C'est Rire et pleurer. Alors, Rire et pleurer, c'est un album... alors là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est... Merci. T'en prie. T'embrasser belle fille, je peux embrasser mon garçon. Mais il n'y a pas de problème. Un petit bisou également. C'est là, hein, merci. Ça y est, c'est terminé. Mais pour les... Tenez. Merci. Pour l'article dont on a parlé tout à l'heure, pour la prochaine fois. Merci. Au revoir, Paulette. Bon, attention, à la prochaine fois. À la prochaine, Paulette. Oui. Alors, François, Rire et pleurer. Un petit bisou, François, non? Un petit bisou. Allez. Et voilà. Si c'est pas chaleureux, hein. Ah bah. Merci, Paulette. Alors, donc, Pigalle... 17 chansons. 17 oui. chansons, c'est ce que j'ai dit. Hein. Vous alternez, vous êtes aussi bien avec Pigalle qu'avec les garçons bouchés. Pour moi, c'est complémentaire, quoi. C'est deux sortes de musiques différentes. J'ai pas envie de les mélanger parce que ça donnerait un style un peu bâtard. Donc est-ce... là, c'est deux choses bien différenciées, au moins dans ma tête, parce que les gens mélangent un petit voilà, peu. Voilà, est-ce que pour le public, c'est pas un peu... Ouais. Oh si, c'est un gros mélange, mais c'est pas grave. Bon, c'est... De toute façon, il y a beaucoup de pays où les musiciens se mélangent dans les groupes. Ici, c'est pas trop une tradition en France, donc les gens... sont un peu surpris et souvent croient que Pigalle c'est des garçons bouchés ou que j'ai arrêté l'un ou je commence. Alors la différence, alors, pour que ce soit clair une fois pour toutes, la différence alors, pour vous et pour tout le monde entre les garçons bouchés et Pigalle. C'est surtout au niveau de la vision, c'est que les garçons bouchés c'est un groupe plus onirique, plus violent, plus radical, avec une musique plus marquée, punk, rock'n'roll, etc., etc. Et surtout une vision des gens, de la société plus distancié, c'est plus social, c'est plus une espèce de satire en général, alors que Pigalle c'est... Déjà maintenant, ça tire plus vers la chanson et vers les instruments traditionnels. Et puis, c'est plus une vision de la vie, les paroles, c'est plus une vision de la vie des gens, des petites histoires. Ouais, ça veut dire quand on voit un chanteur qui donne des messages à travers ses chansons sur la société ou sur des choses, en fait, ce chanteur peut avoir plusieurs visions, plusieurs messages c'est à donner. C'est ça, oui. Je pense que la vie de tous les jours des gens est tout aussi importante que de parler de grands événements sociopolitiques. Donc voilà, c'est un peu les deux facettes. Alors vous parlez d'instruments un peu plus traditionnels, vous êtes amusé, enfin vous êtes plu à ce qu'on entende plusieurs instruments. Il y en a un que je ne connais pas qui s'appelle le ou la, je ne sais pas, gaïta. La gaïta, c'est une cornemuse espagnole de la région de Galice. Ouais, il n'y a pas de problème. Et la Galice, c'est une région celte, donc on voit le rapprochement avec les cornemuses écossaises, bretonnes, etc. Et le mandoloncelle. Mandoloncelle, c'est un instrument qui date de la période baroque, qui est disons une mandoline king size. Une grosse mandoline. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse à faire jouer ces instruments dans des morceaux aujourd'hui
Bah moi, j'ai comme beaucoup de musiciens, j'ai fait mon petit groupe de rock tout minot. J'avais 14 ans, 15 ans, ça s'appelait Pénélope. Et puis, dans ces cas-là, c'est assez arbitraire et ça passe rapidement. Donc à ce moment-là, je me suis intéressé à la folk music. Donc j'ai écouté plein de musique et joué de plein d'instruments différents. En passant par la musique irlandaise, celte, des Balkans, la musique française, etc. Donc là, je me suis mis à plein d'instruments. Puis je trouve que ce milieu-là m'a un peu gonflé rapidement. Ça se voit, c'est ça, vous avez dit, non ? Donc au bout d'un moment, je me suis intéressé... Non, vous dire, ça m'a rasé, ça. Ça m'a rasé. Exactement. Et donc, je me suis intéressé, disons, sur le tard, en fait, à la musique rock. Un peu comme poète. Ouais. Et j'ai eu envie, au bout d'un moment, de faire revenir un peu ces sonorités, ces instruments que là, j'avais découvert il y a longtemps. Donc j'en ai mis plein et ça me plaît. Et sur scène, on les joue aussi. C'est du rock baroque ? Si on veut, oui. Et on tourne dans des ambiances très différentes et très. Il n'y a pas d'étiquette possible, quoi. C'est plus de la world music française que vraiment du rock. Voilà. Bon, voilà, ça c'est à peu près ce qu'on peut dire sur cet album qui s'appelle Rire et pleurer, signé Pigalle. Voilà. Vous intervenez dans quel, dans tous les secteurs dans l'album, musique, texte, arrangement. Oui. Bon, c'est un arrangement avec un groupe qui avec lequel je travaille depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est un peu mon univers à travers un groupe et c'est la première fois d'ailleurs que je fais un album avec un vrai groupe derrière parce qu'avant j'étais tout seul sur les albums de Pigalle ou à deux et donc là pour la première fois intervient le groupe qui joue avec moi depuis 3 ans sur scène donc ça devient plus une histoire même si je fais toujours les textes et les musiques et les arrangements ça devient un vrai groupe quoi. Dernier point sur l'actualité, vous êtes en pleine tournée hein, depuis décembre je crois et vous allez finir à Paris par l'Olympia. L'Olympia, oui, le 7 février. Vous l'avez déjà fait ? On l'a déjà fait, ouais, il y a 2 ans et avec Pigalle aussi. Est-ce que pour un garçon comme vous, avec le regard que vous avez sur la société, tout ça, est-ce que faire l'Olympia, c'est aussi mythique pour vous que pour d'autres chanteurs qui disent « Oh là là, l'Olympia, c'est le rêve absolu, tous les grands de ce monde y sont passés, le temple de la musique, etc. » Bah, c'est évident que nous, comme on a beaucoup de références à la chanson française et qu'on avait même fait des compilations avec qui s'appelait « Ma grand-mère est une roqueuse » avec Piaf, Frêle, etc. C'est évident que pour nous, c'est un symbole, l'Olympia en tant que chanson française. Et comme l'Olympia, c'est ouvert au rock depuis environ 3 ans, pour nous, c'est la salle idéale, c'est-à-dire qu'il mélange à la fois le feeling de la chanson française et du rock. Donc ce sera le 7 février, lundi. Voilà. Lundi 7 février. Merci mille fois. Quelques questions, téléspectateurs. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. François et nous, vous écoutons. Allô. Bien sûr. Ouais. Bon, on va lui demander tout de suite ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en pense ? Ben. Oui, également. Vous en voulez une autre ? Une deuxième ? Oui, mais moins fort. On prend une autre question, s'il vous plaît. Allons-y, 8e question, nous vous écoutons. Allô ? Ah, celle-là, on n'en avait pas parlé, qu'est-ce qu'il en pense ? Ben, c'est moins bien que la première. Ah ben, on ne fait pas ce qu'on veut, hein. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ça fait rien, on va prendre une autre question, allons-y, allô ? Et là, après, je mange quelque chose, je ne sais pas quoi. On va manger les fiches. Oui, ou le téléphone. C'est cassé, c'est en panne ? C'est cassé. C'est en panne. C'est cassé. On a des questions magnéto Non, peut-être... Oui, on ne savait tout pas. Tout est cassé. On n'a pas vu surtout. On ne s'est pas rendu compte que c'était cassé. Est-ce qu'on a des questions? Mais je veux répondre parce qu'après, tout le monde va croire que personne ne veut m'interroger. Oui. Est-ce que vous avez peur de démerdez-vous, mais réparez ou inventez-en. Mais niveau de l'image de marque, ça la fout très mal. Soit dit, visiblement, donc, on a un petit problème technique. On va essayer d'arranger ça avec des questions magnéto, François. On va retrouver le professeur Ivar et on va faire les questions après. Magnéto après. Très bien. Professeur Ivar, bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Oui, très bien. Très bien, oui. François, passionné de sciences, bien sûr. Un tout petit peu de sciences. Vous avez fait sciences à l'école ? Oui. À quelle école ? Patrice, prenez-en un. J'en prends un. Voilà. On prend chacun son bac. On prend chacun son petit bac. On va faire un petit peu de sciences naturelles. Oui, il y a un petit bac. Je ne rentrerai pas dans celui-là. C'est pas pour faire trompette. Est-ce que vous connaissez... Moi, si. et chacun un petit sapin, c'est assez important. Un petit mouchoir en papier. Mouchoir. Voilà. Est-ce que vous connaissez des animaux qui marchent sur l'eau ? Bah oui. Lesquels ? Moustiques. Moustiques, oui, effectivement. Ouais. Il y a, le canard. Il y a des... Oui, enfin, il a tendance à flotter. Bah, il y a Jésus. Il y a eu le Christ, mais c'était pas un animal, oui. Il y a des abeilles qui se posent sur l'eau pour... Des abeilles et des guêpes qui se posent sur l'eau pour Bah, pour tous boire. Les insectes, quasiment. Hein. Quasiment tous, mais il y en a peu qui marchent véritablement sur l'eau. La grenouille ? Bien sûr, Patrice, oui. Ouais, elle est plutôt sous l'eau, elle a juste les deux yeux et les deux narines. C'est cool comme le Ricard. Comment est-ce que ça fonctionne en pratique, en fin de compte, comment est-ce qu'un petit animal, même s'il est très léger... Parce qu'il a une bulle d'air quelque part. Non, il n'y a pas de bulle d'air. Un petit peu d'aérophagie, pof, il flotte. On va faire une expérience qui va permettre de comprendre avec des trombones... Le trombone flotte. Le trombone flotte, on peut se dire que ça, c'est un petit insecte en réalité. Ça, c'est un petit insecte. Ouais. Alors, si vous le mettez sur l'eau, a priori... C'est venimeux ? Non, ça ne mord pas, ceux-là sont relativement calmes. Si vous le mettez sur l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Il coule. Il coule. Si vous le posez sur l'eau...
Alors voilà, justement. Si vous le posez délicatement. Alors, toute l'astuce. Il se fait une petite truc d'air en dessous, j'imagine. Non, 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 y a pas... vous allez regarder, il faut le poser très délicatement. François, vous pouvez, bien sûr, si vous voulez tenter. Délicatement, c'est pas. Voilà. Oui, tiens, si tiens, tiens, bah oui, il, se met, il y a une petite pellicule d'air qui se fait. Il n'y a pas du tout de pellicule d'air. C'est le rapport entre la surface et le. C'est ce qu'on appelle la tension de surface. Ah, joli, François. Ça marche à tous les coups. Il faut le mettre bien à l'horizontale. Ah, mais le vôtre, il est lesté. À l'horizontale, je veux dire. Bien à l'horizontale. Il faut mettre les doigts dans l'eau. On le prend comme ça, voilà. Et on pose les doigts et on lâche au moment où le trombone fleur. J'en ai un. Jusqu'à la surface. Bah, lâche-le. Hop. Ouais. C'est la surface. C'est comme donc, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. C'est comme le bateau. Et si on regarde de près, on voit qu'autour, effectivement, le trombone appuie sur l'eau, mais ne coule pas. Oh, zut. Et pourquoi? Et bien pourquoi? C'est parce qu'il y a une répartition. Très habile. Il y en a un pour cinq. Il y a une répartition des masses, du poids du trombone suffisante pour tenir grâce à la tension de surface. C'est ce qui permet de faire flotter les petits animaux. Il y a des araignées d'eau qui vivent, il y a des couleuvres d'eau aussi. Et le serpent d'eau. Et nous, on peut pas le faire. C'est le même principe. En fin de compte, puisque c'est réparti, donc là, on voit très bien tout autour, ça fait un léger pli. Alors, par exemple, si vous prenez une énorme pierre. Ah non, si vous prenez une énorme pierre, le problème, c'est que le rapport est trop fort. Poids, surface posée sur l'eau est trop important et ça coule. Mais c'est ce qui vous en revanche, permet. Si vous prenez une énorme tuile très plate, elle flotte. Et ça peut flotter. C'est ce qui permet c'est aussi. C'est le principe du bateau, non? Pas du tout, Patrice. Si. On en est un petit peu loin quand même, mais c'est ce qui vous permet aussi de faire la planche. Quand vous êtes à la mer, quand vous êtes dans l'eau, dans une piscine. Ce qui est super, c'est pour les paris, quoi. T'emmènes ta collection de trombones au bistrot, tu bois un maximum de coups gratos. Ça peut aussi servir pour ça. C'est on va vous en laisser quelques-uns. On va peut-être même vous laisser la petite boîte. Allez-y. Alors, donc là, on va retrouver maintenant, on donne de temps en temps la parole à des inventeurs qui ont des inventions un peu délirantes et parfois aussi très utiles. Je rappelle d'ailleurs aux jeunes gens qui nous regardent, si vous avez vous aussi des idées de comment on fait ci, comment on fait ça, 3615 TF1, vous nous envoyez l'idée, le professeur Ivar en prendra évidemment note, prendra contact avec vous et si elle est bonne, crac, il nous la présentera. Et celle-là est très bonne. Alors là, on va retrouver Michel Serrier. Vous y allez ou nous y allons tous? On y va tous. Nous y allons on y va tous. Allons-y. Je sais pas, vous avez peut-être des enfants, le gros problème dans une maison, ce sont les prises électriques. Oui. Quand les gamins commencent un petit peu à marcher à quatre pattes ou à marcher tout court, il y a un gros problème, c'est qu'ils sont vite tentés d'essayer de mettre les doigts dans la prise. Il existe d'ailleurs des cache-prises pour ça. Exactement. Absolument. Mais alors le problème, c'est que ça immobilise totalement la prise. Ah ben, au moment où on met le cache-prise, voilà. Oui. Alors le problème, c'est qu'il faut bloquer toutes ces prises. Michel Serrier a inventé un petit boîtier. Petite boîte magique. Qui est discret. Qui est discret. Alors ça, c'est un prototype, hein, Pour l'instant, c'est un prototype. Parce que c'est sur chaque prise murale, on a ça. Et on recherche surtout un partenaire financier, justement, qui va nous permettre de le sortir en production industrielle. Et plus miniaturisé, probablement. Alors, qui sera aussi grand qu'une prise traditionnelle. Ah. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, donc, vous avez une prise en castrale dans le mur. Vous imaginez que vous l'enlevez et vous la remplacez par cette nouvelle. Vous avez votre main qu'on voit bien. Voilà. Expliquez-nous ce gros boîtier noir, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît. En fait, c'est un boîtier qui sera encastré beaucoup plus petit dans le mur. À l'intérieur du mur. Voilà. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, donc là, ma lampe, je l'allume. Et elle fonctionne. Elle fonctionne. Je l'enlève. Elle donc fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus. Là, elle s'arrête, ouais. Mais ça voudrait dire que normalement, il y a du courant, puisque effectivement. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends deux câbles. Et puis, bah, je vais mettre les doigts. En principe, vous devez prendre le jus. Mettez d'abord le courant. Alors voilà, d'abord, je fais la démonstration. Plus près de toi. Là, le courant ne passe, s'allume plus. Ne passe plus. Ah. Et bien entendu, voilà, je touche. On peut tenir. Je suis encore là. C'est l'avantage de ce petit système électronique qui permet d'isoler totalement. Touchez pas, monsieur. D'isoler totalement, justement, quelqu'un qui éventuellement pourrait être tenté, un petit gamin par exemple. Par quel système avec, alors, deux tournevis. Ça reconnaît par exemple, la peau et non pas le métal, absolument. C'est ça? Justement, c'est parce qu'il y a un circuit électronique à l'intérieur qui permet de séparer le courant par rapport à l'état humain et par rapport à la chose. Il détecte si vous mettez le doigt ou si vous mettez une prise en réalité. C'est en fonction de l'appareil. Ou un tournevis. C'est en fonction de l'appareil. Et vous avez donc juste là une petite carte à puce qui permet en même temps de transformer cette prise en clé électronique pour éviter les abus. Voilà. Belle invention. Ça permet de verrouiller. Applaudissements pour ce monsieur et pour la souvenir des enfants et des valeurs. Dans 10 ans, de plus, des marques de son. C'est pas fini. En deux mots, on reste là. On reste là. On reste là. Ne bougez pas, une petite démonstration. On va expliquer en gros comment fonctionnent les montgolfières. C'est un principe tout simple. L'air chaud, ça monte, et l'air froid, ça descend. Les frères montgolfiers ont eu l'idée justement d'arriver à capter de l'air chaud avec un système tout simple qui est de construire un ballon comme celui-là.
L'air chaud vient s'accumuler là-dedans avec un système de mettre un foyer en dessous. L'air chaud s'accumule là-dedans et évacue, ce qui permet au petit ballon de monter. Donc, on va passer au stade pratique. Vous avez déjà fait ça? Non, 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 absolument pas. On a essayé, mais c'est vrai que la première fois, ça n'a pas été très, très probant. Donc là, vous avez chacun un petit sèche-cheveux. Vous savez vous en servir? J'ai oublié. Ça, c'est le basique. Allez-y. Un petit peu d'air chaud, bien sûr. Prenez-le. Prenez-le. On va en couper. Un seul suffira. Il faut le charger d'air chaud. À charger d'abord. Le charger d'air chaud, donc on le remplit bien. Et alors, une fois qu'il est chargé d'air chaud, si on le lâche, que se passe-t-il ? Lâchez-le. Lâchez-le. Voilà, il y a. Voilà. Si. Non, non. Je vous explique. L'astuce du ballon. L'astuce du ballon, c'est de rajouter un cône. En fin de compte, toute l'invention n'est pas mon golfier. C'est d'avoir rajouté ici un cône. Alors, qui permet de canaliser l'air. Oui, voilà. Donc là. Ça, c'était le premier stade. Le deuxième stade, c'est celui-là déjà. Passer pour un con, je pense. Ouais. Ils font pas ce Celui-là, on a rajouté un cône. Et voilà ce qu'il va faire déjà. Ah. Alors. Il y a une toque de chef. Ah, c'est ça. Si vous pouvez me tenir. T'as l'énergie de tenir. Là, c'est bon, là, il est gonflé, là. Là, déjà, il est bien gonflé. Et si on le lâche doucement, et oui, on voit qu'il monte droit. C'est la preuve. Il y avait un petit rajout à faire. C'est simplement un cône pour diriger le flux d'air chaud. Alors, celle-là, il faut la remplir avec quelques petites précautions. Il y a combien de tailles? Un peu gros après, on s'en va avec. Pas mal ça. Enfin, ça marche que des questions. Hein. Alors, on devrait pouvoir, si tout va bien, lâchez-le. Il est chaud là. C'est bon. Vas-y. Arriver à faire un système. Ah ouais, joli. Et là, ça fonctionne bien. Donc, si les enfants veulent apprendre à fabriquer ça, c'est pas très compliqué, mais il faut être assez patient pour faire quelque chose d'assez beau. Ah, c'est joli. Il y a le Yacht Club, l'Yveline Aéronautique Club, qui apprend aux petits-enfants à fabriquer des montgolfières un petit peu plus petits. Donc toute l'astuce en réalité, c'est ici, avec du papier de soie, un petit peu de colle, et c'est tout. On pouvait le faire à la maison, donc. Ah bah ça, on peut le faire à la maison, c'est sans danger aucun. Et nous aussi, si on se gonfle à l'air chaud, on s'envole pas, nous, non? Bon, une fois qu'on a un truc qui marche. Attends, il y a des trous. Comme quoi, les montgolfières, ça peut marcher aussi. Lâche. Voilà. Et là, celle-là, elle est superbe. Et ça, c'est le Yacht Club qui nous a fabriqué ça. Et si vous voulez tous les renseignements, c'est sur le Minitel. Voilà. Donc, si vous voulez savoir comment faire une montgolfière, 36-15, etc., etc. On va prendre la pub immédiatement. On va se retrouver avec François, Patrice et tout le team. Et quelques questions après, juste après la pub. A tout de suite. Merci beaucoup. François, en place. Et voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio pour cette dernière partie d'émission. Et je crois, François, Patrice a dépêché son commando personnel de réparation, qu'il a lui-même formé, etc. Donc il y a de fortes chances que ça fonctionne véritablement bien. Avons-nous quelqu'un au téléphone? Bonsoir. Allô? Allô, oui. Bravo, Patrice. Quel est votre prénom? Tournevis. Olivier. Oui. Olivier, d'où nous appelez-vous? De Fresnes. Ah. Et il vous laisse téléphoner? Oui. Olivier, quel âge avez-vous? 21 ans. 21 ans. François, vous écoute. Oui, bonsoir. Aimez-vous la musique classique? Oui. Non, oui, j'aime bien la musique classique. Ça va faire plaisir à certains. J'aime beaucoup la musique classique par rapport au jazz. Boom pour le jazz. Oui, mais j'ai... C'est vrai que le jazz retombe un peu dans l'esprit des gens en plus. J'ai pas une connaissance extrême. Je me suis intéressé à la musique baroque parce que ça croisait, comme je disais précédemment, je me suis intéressé au folk. Donc la musique baroque croisait un petit peu l'univers du folk. Mais sinon, je n'y connais pas grand-chose, il faut bien le dire. Très bien, je vois que le téléphone fonctionne de mieux en mieux. On va prendre un deuxième appel immédiatement. Merci, au revoir jeune homme, évidemment. Au revoir. Ah, il était encore là, je pensais que vous aviez raccroché, pardonnez-moi. Un deuxième appel, s'il vous plaît. Oui. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Émilie. Émilie, quel âge avez-vous?
19 ans. 19 ans. Vous êtes en quel... Non, je prends des cours de théâtre, plus à l'école. Ah, vous voulez être comédienne. Voilà. Ouais, vous avez une jolie voix. Merci. N'en prie. Émilie, posez votre question, François vous écoute. Oui, alors j'aurais voulu savoir si François aimait bien le top 50. Ça, c'est musique classique, top 50, ça, vous êtes servi, hein. Bah non, pas du tout, évidemment. La seule chose, c'est que le top 50 est censé être une image à un moment précis des ventes de disques en France. Donc, tant qu'à faire, autant être dedans. Oui. Et tant qu'à faire, autant prendre la place de toutes les merdes possibles et imaginables qu'on entend sur le top 50. Donc c'est... Le top 50, il est là, enfin, il est en train de disparaître, mais jusqu'à présent, il était là. Donc, autant ne pas le nier et faire semblant qu'il n'existe pas. Autant, moi, si les ventes de disques permettent de faire passer une autre musique dans ce genre de médias, tant mieux, et autant prendre la place de Gérard Bruel et autres. Voilà, c'est un peu ça notre position, quoi. C'est une position pragmatique. Vous n'aimez pas, mais si ça existe, quoi. Donc, voilà. Et en plus, c'est une image à un moment précis des ventes de disques. Donc, moi, je fais de la musique pour qu'on entende mes chansons, autant que. Mais le top 50 fait vendre aussi. Le fait de rentrer dans le top 50 fait vendre des albums. Oui, mais bon, ça, souvent, on se connaît les recettes. Hein. Il y a plein de maisons de disques qui achètent des disques exprès pour arriver à rentrer dans le top 50 parce qu'il leur manque 2000 pour en acheter. C'est à vous-même. Les maisons de disques achètent. Bon, ça, il n'est pas question qu'on impose ce genre de système. Donc, étant donné qu'on est notre propre maison de disques, bien sûr, je suis sûr. J'attends de voir des gens qui me disent le contraire dans les grosses maisons de disques. C'est-à-dire qu'une maison de disques, pour rentrer dans le top 50, va aller dans un magasin genre Virgin ou la Fnac et acheter elle-même les 2000 ou 3000 disques qu'il y a. Comme ça, ça va rentrer dans le top 50. Non, ça va être plus simple que ça. C'est-à-dire qu'en tant que distributeur, ils vont bourrer les bacs et permettre à ce disque, donc, à un moment précis sur la photo des. Donc vous disiez que c'est un reflet ponctuel. En fait, c'est faux, puisque c'est un reflet. Ça dépend, parce qu'il y a des titres qui sont montés tout seuls parce que le public les publicitait. Donc, okay. C'est bon, mais nous, on sait très bien d'abord qu'on n'y sera pas avant longtemps ou qu'on n'y sera jamais. Mais ce qui me plairait d'y être, c'est simplement prendre les places, donc je disais, de toutes ces stars. Genre, Hélène, je m'appelle Hélène. Mademoiselle Émilie, est-ce que ça correspond à la réponse que vous attendiez ? Oui, c'est bien, merci. On vous embrasse. Moi aussi. Si un jour vous voulez venir nous voir en direct, tout ça, n'hésitez pas. Hein. D'accord, ok, merci. Au revoir. Au revoir. Très bien. Patrice ? Bah, je crois qu'on va passer au jeu. Nous allons passer au jeu. Vous avez J'ai déjà joué. J'aime bien les gendarmes, non ? Oh, bah oui. Vous avez déjà joué au ni oui ni non, vous aimez bien le ni oui ni non. Au gendarme et au voleur, au ni oui ni non. Oui, au ni oui ni non, oui. Mais sinon, c'est plus soft, c'est plus soft. On va appeler gendarmerie comme chaque vendredi. Absolument. Évidemment. Et quelle est la première gendarmerie que nous allons avoir au téléphone immédiatement? Il s'agit de Pouilly-en-Auxois. Ah ben, je l'ai sur ma fiche, dis donc. Bah, ça tombe bien. Donc vous allez m'aider, hein. Oui, surtout Pouilly-en-Auxois. Oui, gendarmerie de Pouilly-en-Auxois. Oula, allô. Oh, allô. 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 La gendarmerie de Pouilly-en-Auxois. Allô. Allô ? Oui, j'écoute. Gendarmerie de Pouilly-en-Auxois ? Oui. Bonjour, monsieur. Christophe de Chavannes à l'appareil. Hein. J'ai à côté de moi... Alors, j'allais dire François des Garçons Bouchers, mais alors, je dis quoi François des Garçons Bouchers de Pigalle, de Boucherie Production. Donc, François. François, voilà. Qui vous salue. Et Patrice Carmouze. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien, monsieur ? Ben, je vous entends pas très bien, non. Combien sur 5 ? Oh, disons 4 sur 5. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est la moyenne. Oui. C'est la moyenne. Je reconnais la voix, effectivement. Alors, ah bah oui, ça oui. Alors voilà, nous allons démarrer immédiatement. Vous êtes gendarme de carrière ? De carrière. Depuis combien de temps, monsieur ? Depuis une vingtaine d'années. Ok, Patrice. Est-ce qu'il y a beaucoup de vignes dans la région de Pouilly, non ? Eh bien, nous sommes du mauvais côté hein, de la colline. Hein. Ah. Vous avez le côté Beaune, effectivement, il y a des vignes, de très bonnes vignes. Mais enfin, vous y allez quand même sur ce terrain-là, quand même ? De temps en temps, ça nous arrive. Quand vous êtes appelé ? Quand nous sommes appelés. C'est ça. C'est votre circonscription, si je peux dire. Une circonscription voisine. Hein. Circonscription voisine. Et le taux d'alcool, il est mis ? Non, le taux d'alcool... Il est mis ou pas, le taux d'alcool est mis ? C'est dépassé. C'est terminé, le taux d'alcool. Ah, vous ne faites plus raisonnable. Vous ne faites plus de contrôle sur la route ? Quelques-uns. Il vous arrive de tomber sur les contrôles positifs ? Ah. Quelquefois. Vous-même, vous n'avez pas le droit, même quand on habite Pouilly-en-Auxois, vous n'avez pas le droit de dépasser 0,8 g, vous. Mais nous sommes côté charolais, hein, côté viande. Hein. Ah, donc et vous aimez la viande, sûrement. Ça simplifie beaucoup. Vous aimez la viande, sûrement. Ça nous arrive. Ça nous arrive, oui. C'est très difficile. Hein. C'est des bœufs ou des vaches ? Comment ? Qu'est-ce qu'on mange, du bœuf ou de la vache ? Bœuf, vache, c'est varié. Hein. C'est de la vache rousse. C'est varié. Blanche.
D'adage blanche, dites-vous. C'est bientôt terminé, il y en a, non? Ah non. Ah, il se l'a dit tout seul. Il se l'a dit tout seul. Il a dit non. Oh, mais c'était bon, non? C'était bon, Maître Founias? Oui. Vous aviez gagné, Monsieur Pierre, vous avez gagné. Il a eu du pot. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, ce gendarme? Vous êtes curieux de le savoir. Ben, oui, oui. Ah oui, il a gagné. D'abord, vous avez fait gagner avant de gendarmerie. Vous avez fait gagner ceci, et c'est François des Garçons Bouchers de Pigalle et de Boucherie Production qui va vous dire ça. Alors, oui. Un téléviseur couleur Kaisui. Vous allez pouvoir revoir en vidéo tous les mecs en train de passer la limitation de vitesse à fond les boulons. Non, pas sur chez nous. Il est palsécam 55 cm, il a des coins carrés qu'on peut voir ronds après quelques bouteilles de Puligny Montrachet. Et c'est marqué Black Matrix, alors je sais pas si c'est le modèle ou c'est le modèle. Et en plus, et à l'occasion de la semaine de la chanson, Patrice, qu'a-t-il gagné, Pierre? Eh bien, ça joue pour deux personnes. Allez-y. Au Francofolie de La Rochelle, du 12 au 17 juillet 1994. Ah oui, mais alors là, vous avez des chances d'avoir perdu, parce que je pense qu'on va y être, nous. Vous y serez, vous avez des chances. Je suis très content. Donc vous aurez l'occasion de voir celui qui vous a délivré ce cadeau. Et vous pourrez me rendre le téléviseur couleur Kaisui, palsécam, 50 cm, coin carré, que je vous ai fait gagner. Merci. Je suis très content. C'est le 10e anniversaire. Alors, c'est le 10e anniversaire de quoi, Patrice? De ce festival, le plus grand festival de chansons francophones. Et vous allez bénéficier du passeport francophonie pour assister à tous les concerts qui ont lieu à La Rochelle. Et peut-être même rencontrer directement Jean-Louis Foulquier. Qui est là-bas. Qui est là-bas, évidemment. Voilà, Pierre de Pouilly-en-Auxois. Voilà, nos amitiés à vos camarades de la gendarmerie de Pouilly-en-Auxois. Ah, je ne manquerai pas, hein. Et on vous écoute, quand on peut, hein, mais... Ben là, tous les jours. Enfin, là ça sera plus facile. Comment j'ai des collègues, la brillante à côté déjà qui a été appelée. Ah, très bien. Longtemps, bah, ça fera une occasion supplémentaire avec le téléviseur couleur. De nous regarder. Kaisui. Voilà. Kaisui. Au revoir, monsieur Pierre. Et merci de la part de tous, c'est sympa. Hein. Et de la part de tous non plus, nous aussi. Au revoir, Pierre. Merci beaucoup. Patrice. Alors, le masque de beauté, vous en utilisez beaucoup, non? Ah, mais ça marche, hein, la preuve. Depuis l'âge de 13 ans. Le masque de beauté. Tombé dedans quand vous étiez petit. Masque de beauté a une histoire. Et nous allons rejoindre immédiatement Sophie Portet qui va nous expliquer tout ceci. Et vous allez voir. Ah, je rie. Bah, nous y allons. On y va. Allons-y, Patrice, allons-y. Alors, bah, Sophie, nous vous rejoignons. Bonjour. C'est très joli, ça. Ça, c'est très... Ça fait un peu peur, hein. Pour un masque de beauté, pour l'instant, ouais. On va vous lui parler de loin, la jeune fille qui est là. Hein. Oui, je vous réserve le plaisir de lui enlever, vous verrez. Vous n'allez pas perdre votre temps. C'est comme dans... Si je pourrais vous poser une question, c'est laquelle qui a le masque de beauté? Alors, allez-y. Alors, oui. Pourquoi je suis habillée? Oui, pourquoi êtes-vous habillée en princesse? En Joséphine. Pourquoi Joséphine? Ah bah oui. Parce que c'est le symbole de la beauté. C'est l'impératrice de la beauté. J'aurais pu choisir Cléopâtre, parce que c'est vrai que les masques de beauté datent de l'Antiquité, etc. Mais j'ai choisi Joséphine, parce qu'elle m'est plus sympathique d'abord que Cléopâtre. Est-ce qu'on a gardé aujourd'hui dans les masques de beauté des trucs traditionnels, des ingrédients traditionnels? En fait, tous les masques de beauté viennent plus ou moins de l'Antiquité, Moyen-Âge, du temps de Joséphine, parce qu'elle en a fait un maximum. On peut jouer à Colin Maillard. C'est très dur, hein. Ouais. On dirait qu'elle est furieuse, mais c'est le masque, en fait. Je sais pas si elle sourit, mais... Et donc, on va faire un petit historique. Où est-ce qu'il y a une souris? Un petit historique de tout ce qui est masque de beauté. Mm-hmm. Alors, Joséphine, elle utilisait presque tout ça. Vous avez vu comme elle était belle. Tout ceci qui est ici, là. C'est la rubrique gastronomique. Un peu. Ah, ça, vous pouvez goûter, hein, si vous voulez. Par exemple, les escalopes, ça, c'est pas Joséphine au départ, c'est Catherine de Médicis. On se met ça comme ça, je le ferai peut-être pas trop. Non. Comme ça, et qu'est-ce que ça fait? Ça décongestionne. Si on a des petites rougeurs, de la coupe rose, ça y est, de la coupe rose, etc., eh ben, c'est génial. C'est pour ça que j'ai jamais pu me faire de masse de beauté, c'est le fait que je bouffais les trucs avant même de les mettre sur la gueule. Autre chose, ça. Une escalope comme ça avec une belle salade. Hein. Oui, c'est bon. C'est bon pour la peau. Et une escalade? Alors, et ça, du boudin et de la crème fraîche. Alors, mais c'est super pour le teint. On pourrait peut-être enlever le masque de la jeune fille, parce que si on attend tout ce temps-là... Oui, c'est vrai. Après, elle va trop sécher, d'ailleurs. Ça, c'est des masques durs, c'est ça? Christophe, alors là, on passe des siècles. Je suis pas sûr qu'elle se fende de la pêche de la sondage. Si. Christophe. François va l'enlever. François, peut-être qu'il va l'enlever. Avec délicatesse. On y va. Je tiens le micro. Alors, attention, mesdames, messieurs. Comment on procède? Comment procède-t-on? Est-ce que vous l'avez jamais fait? Si on la fait tourner avec la force d'inertie, ça peut... avec la force centrifuge. Alors, c'est un super masque. C'est le docteur Renaud qui a créé ça, je vais vous expliquer. Mais là, c'est le docteur François qui lui enlève. Oui.
Ben c'est un peu film des années 60, film Vincent Price, film... Vous jouez, vous, dans un film gore, non? Oui, en plus, oui. Ah oui, on n'a pas parlé du film gore que vous venez de faire aux États-Unis. Ah, oui. Voilà. Et là, on découvre la belle Edith. Ah, bonjour Edith. De chez Edith, c'est superbe. Là, là. Merci, merci, merci. Là, on sent le boudin à la crème. Là. C'est clair. Petite, voilà, ça, on va enlever. Pas mal, hein. Parce qu'en fait, ce masque, il y a des principes actifs dessous, effectivement. Ça passe juste, mais ça passe. Voilà. Et là, après, si je l'enlève, si j'enlève, je vais être beau après. Tu sais ce qu'on dort. Et après, là. Elsa Popine. Elsa Popine, au concert, un masque comme ça, quand elle enlève. Voilà, en fait, franchement, elle a un teint de pêche après. Ah, bah, elle a un teint de pêche. Elle vraiment, non, ah, oui, oui, elle l'avait un petit peu avant. Là, c'est une pêche qui aura pris un peu le soleil. Et sur la main. Alors, quoi qu'elle a sur la main. C'est un autre type de masque. Oui. Alors là, on tire. Bah, ça, c'est facile. Allez, les yeux, tu vois. On tire. Voilà. Et là aussi, ça fait les mains douces, les mains fraîches, tout ce qu'on veut. Ah, oui, c'est doux, hein. Ça, c'est très doux, hein. À tous. Alors, bon, rapidement, Sophie. Ben là, on finit. Enfin, on va finir. Vous êtes embêté avec ça, François. Oui. Mais ça, après, ça peut faire casquette de rappeur. Hein, c'est bon, bien, ça. Bougez pas, il y aura un plan vertical dans quelques secondes. Voilà. Regardez l'image, pas mal. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Hein? Ça vous va bien, en tout cas. Ça vous va très bien, oui. Je reviens, un petit bisou. Sophie. Alors, pour finir, alors évidemment, on a passé tous les masques en revue, enfin, plus ou moins. Bah non, on n'a pas parlé du concombre. Le concombre, ça sert à quoi? C'est génial. Le concombre, ça resserre les pores et ça, c'est un petit peu astringent. C'est-à-dire, quand on a des comédons, par exemple, et puis quand on a un petit peu de points noirs, hop, ça enlève tout ça. Ah, ça, c'est un truc. Il y en a qui se font chier à engraisser les pores et là, qui se font chier à resserrer les pores. Ah, c'est du boulot. Là, il y a du beurre fondu immonde. Non, c'est du miel. Ah. C'est du miel avec un œuf. Ah oui. Alors, ça se fait au pinceau. Et là aussi, eh ben, Joséphine nous faisait ça. Sur le visage. Hein. Sur le visage. On garde ça. L'œuf. 5-6 minutes. Idéal. L'œuf, la farine, le lait. On fait. Ben, non seulement on en mange, mais en plus, c'est bon pour la peau. Voilà, on fait un masque, on le met sur la table, on met des fraises et ça fait une tarte. Pas mal. L'œuf, il y a deux fonctions en fait. Je vous donne un conseil. Le jaune nourrit la peau. Le jaune nourrit la peau fatiguée et le blanc est astringent. L'hydrate. Merci en tout cas, Edith. Merci beaucoup. C'est ça, vous vouliez dire? Oui, je voulais juste signaler que dans les masques d'avant-garde. Le masque d'avant-garde, Mathis nous a fait un super masque d'avant-garde avec des électrodes en fait. Et là, c'est le masque sans se tartiner la peau. Et ben, on se met des électrodes, des petits fils d'or. Et ça fonctionne. On branche et on se la machine qui est derrière. Et ça régénère l'épiderme. Ça se mange pas. Non, non, alors que ça, vous allez pouvoir le déguster. François, merci beaucoup. Applaudissements pour lui. Et Edith Mina de l'Agence Félix, merci mademoiselle. Vous nous retrouvons lundi à l'Olympia le 7 février. Et l'album, Arrière en pleurer. Merci beaucoup, François. À bientôt. Applaudissements pour lui. Salut, au revoir.